La troisième partie raconte l'histoire d'un mariage. Celui de Missy Sarah qui a déjà 21 ans et qui ne supporte pas de voir tout le monde heureux autour d'elle. Ashana, t'as mis ici un fils, un beau petit garçon. Tu es grand-mère, tu te rends compte? Allez dire au Massia que tout le monde a deux jours de congé, qu'on fasse la fête. Missy Sarah? Mon histoire parle aussi de fidélité. Missy Elsa a un fils. Et de moi, qui croyais qu'en étant silencieuse et fidèle, tout finirait par s'arranger. Ah, les herbes d'Ashana font merveille. Elles ont toujours fait beaucoup de bien à Elsa. Bois cette tisane et peut-être seras-tu sur pied demain pour nous accompagner. Oh non, je peux vraiment pas. Allez-y sans moi. Lévi, cette enfant est malade. On va rester auprès d'elle. Non, allez donc voir ce bébé, je vous dis. D'accord. Alors Ashana restera ici, et Mini-Mini aussi. Elles prendront toutes les deux soin de toi. Entendu? Sois patiente. Tu nous accompagneras la prochaine fois, dans pas longtemps. Bien, on te laisse te reposer. Venez. Dors bien. Apporterai quelque chose de la ville, hein? Bon voyage, Masra. Bon voyage. Mini-Mini! Allez, va te laver. Qu'est-ce que tu regardes? Je sais ce que tu es en train de te dire.
les hommes, ce serait autorisé, et pour les femmes, ce serait interdit. Tu es mal placée pour me juger, toi qui n'es qu'une bâtarde. Bonjour, Missy. Ashana, qu'es-tu en train de faire? Pourquoi mon repas n'est-il pas encore servi? Je vais m'en occuper, Missy. Je fais des crêpes. Ashana! Repose tout de suite ce vase! Ces fleurs sont encore fraîches! Pourquoi ne m'as-tu pas encore servi mon repas, Ashana? Je vais vous préparer des délicieuses crêpes, Missy. Regarde-moi. As-tu déjà entendu des masras coucher avec des femmes esclaves? Oui, Missy. Oh! Rarement ou souvent? Réponds. Vraiment très souvent, oui, Missy. Et pour eux aussi, tu craches par terre? Missy Sarah, je vais brosser vos cheveux et je vais... Et toi, je parle à Ashana! Akotako. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Viens ici! Tu n'es qu'une sale négresse, l'oublies-tu? Hein? Vous savez ce que dit le cochon. Vous restez qui vous êtes. Pour toute votre vie, je ne suis pas, comme vous dites, une sale négresse. Moi, je m'appelle Ashana. S'il vous plaît, Missy, c'est une vieille femme. Faut être là. Missy. Faut être là! Espèce de petite garce qui t'a donné le droit de faire fouetter mon esclave. La femme qui s'est occupée d'Elsa depuis qu'elle était une enfant. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. Lâche-la. Droit de me donner des ordres. Elle a le droit de corriger une esclave si c'est nécessaire, non? Cette sale négresse a cru qu'elle pouvait me toiser. Mais j'exige le respect de ton esclave comme de n'importe quel autre esclave. Je vais trouver une maison où te loger à Paramaribo. Je ne veux plus jamais m'asseoir à la même table que toi, plus jamais! Ma fille n'ira pas s'installer toute seule à Paramaribo! Elle n'est pas une de ces maîtresses noires! Elle vaut moins qu'une maîtresse noire, crois-moi. Bien moins. Mini-mini, emballe mes affaires, je ne resterai pas ici un jour de plus. Je peux aller où bon me semble! Je peux avoir tous les hommes que je veux! Ils sont tous à mes pieds! Calme-toi, calme-toi, ma chérie. Chut, reste tranquille. Missy Sarah est allée vivre à Paramaribo, seule. J'ai dû la suivre. Pour Missy Sarah, se marier n'était plus un désir. Se marier était devenu une nécessité. Nous allions à toutes les soirées, nous participions à toutes les fêtes. «
Missy Sarah était la plus belle des jeunes femmes de tout le Suriname. Et elle pouvait avoir tous les hommes. Vous m'avez promis la prochaine danse, vous vous moquez de moi. Mais aucun ne resta pour plus qu'une aventure. Pardonnez-moi. Sauf un. Monsieur Robles. Mademoiselle Sarah. Oh, je suis si confuse. Regardez ce que j'ai fait. Tout est ma faute. Non, non, non. Quel maladroit je fais. Oh, vous voyez, j'arrête pas de renverser mes verres. Mais... je ne voudrais pas que vous soyez embarrassé à cause de moi. Masra Julius Robles Medina. Veuillez nous excuser. Mère nous appelle. Ce gentilhomme avait un surnom. On l'appelait le nez. En un mois... il devint la personne la plus importante dans la vie de ma Missy. Et dans la mienne aussi. Il était le propriétaire de la plantation Petit Paradis. Chaque jour, le nez buvait trop. Beaucoup trop de vin. Cela avait commencé quand les esprits Winti avaient pris possession de l'âme de sa femme. Ensuite, sa femme avait mis fin à ses jours et avait emporté avec elle ses deux enfants. Ma femme était malade. J'ai tout fait pour la rendre heureuse, mais ce fut en vain. Oh, je lui ai pardonné. Je suis en paix. À présent, j'essaye de mettre un peu d'ordre dans ma vie. Mais je suis un vieux loup solitaire. Vous devez m'en vouloir, je gâche votre soirée avec ma morosité. Vous devez danser, vous êtes tellement jolie. Vous devez profiter de la vie. Je crois que je préfère rentrer. Mademoiselle Sarah, c'est un plaisir pour moi de vous accompagner. J'apprécie votre compagnie. Vous êtes un vrai gentilhomme. Merci. Cette soirée a vraiment été un moment particulier. Je partage votre avis. J'aimerais beaucoup visiter Petit Paradis un de ces jours. Vous pourriez séjourner chez moi. J'ai une chambre d'amis avec un vrai lit. Oui. Oui, entendu. Oui. Alors, dites-moi quand cela vous arrange. Pourquoi venir en visite alors qu'on pourrait se marier sans attendre? Madame a du goût et un sens aigu des affaires. Ce collier est le plus beau de la collection. Mini, aide-moi. Il est très beau, mais regardez, celui-ci est un peu plus fin, certes, mais il est également d'excellente qualité et il est moins voyant. Ce collier est en effet plus fin et je dirais qu'il convient plutôt pour un enterrement, pas pour un mariage. Qu'en dis-tu? Ouais. La fête du mariage dura très très longtemps. Mais la nuit de noces fut très courte. Il est beau, n'est-ce pas? Entièrement sculpté dans un bois précieux. L'armoire aussi est neuve. Pour tes robes. Tu peux nous laisser, Mini-Mini. Non. Elle doit encore défaire ma coiffure. Je peux m'en occuper. Tu peux te retirer, Mini-Mini, nous aimerions rester un peu seuls. Grave. Allons dormir, nous sommes tous les deux fatigués.
Non, attends, je vais te montrer. Comme ça. Masra Julius avait arrêté de boire. Et il faisait absolument tout ce qu'il pouvait pour faire plaisir à Missy Sarah. C'est bien. À la haie. Il faut nettoyer les feuilles sur la terrasse. Va chercher un balai. Mais Missy Sarah n'était pas souvent présente à Petit Paradis. Mais pourquoi tant de hâte? Rien de pressé. Nous aurions pu y aller ensemble le mois prochain. Oui, nous irons à nouveau. Missy Sarah retournait souvent à Paramaribo pour acheter des tissus pour de nouvelles tentures. Mais les tissus servaient à confectionner de nouvelles robes. Masra Julius travaillait très très dur. Et il disait toujours oui à Missy Sarah. Prenez ma main. Masra Julius voulait faire de Petit Paradis un grand paradis. Faut le clouer, sinon ça ne tiendra pas. Ta mère et ta sœur pourraient venir ici quelques semaines. Tu vas trop souvent à Paramaribo. Dans ce trou perdu, je vais mourir de honte devant toute ma famille. Je ne peux quand même pas tout faire à la fois. La salle de séjour, la véranda ont été repeintes et même ta chambre à coucher. Oui, les rideaux sont défraîchis, mais tu devais t'en charger. Oh, bien sûr, ça va être ma faute si on habite dans une porcherie. Je me doutais pas que ce serait aussi difficile de vivre ici. Merci. Je comprends, tu as encore besoin de t'habituer. Je ne comprends rien. J'ai besoin d'un pied-à-terre à Paramaribo. Tous les planteurs convenables ont un pied-à-terre. Mais nous devons faire attention à nos dépenses. Bien sûr, continue d'écouter les bons conseils d'Alex. Les esclaves seront plus aisés que moi si ça continue. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? J'exagère? Peut-être que tu aurais dû réfléchir avant d'épouser une femme jeune. Toi, tu as eu toute une vie derrière toi. Moi, j'aimerais pouvoir vivre un peu la mienne. Calme-toi, s'il te plaît. Tu n'es revenu que depuis quelques jours. Je comprends qu'on puisse perdre la raison à force de vivre dans ce trou. Je comprends maintenant. Oui, je comprends que ta femme en ait eu assez et qu'elle ait mis fin à ses jours. Quand veux-tu partir? C'est quand vous partez en Hollande. Ah oui, je veux être avec vous sur le bateau. Mais non, pas. Oui, bien sûr, absolument. Dois-je m'inquiéter? Tout va bien se passer, Masra. Ne vous inquiétez pas. Doucement. Doucement, Missy. Poussez, poussez, poussez. On ne parle pas. Courage, Missy. On attend encore un peu et puis on pousse. Allez-y. Poussez, 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 poussez. Poussez, 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 poussez. C'est bien. Oui. J'aimerais beaucoup qu'on l'appelle Jethro. Jethro? Ne pourrions-nous pas l'appeler William? Ou Arthur, ou un autre nom un peu plus moderne? Mais le prénom de Jethro se trouve dans la Torah. Cela signifie merveilleux. Il est le merveilleux fruit de notre amour.
un miracle tellement merveilleux que je ne le croyais pas à nouveau possible. Un fils. Qui appelle son enfant Jethro ? Moi ? Maman, maman ! Maman ! Maman ! Oh là là ! Va le montrer à ton papa. Qu'y a-t-il, mon garçon ? Oh, c'est très joli. Fais-moi voir. Apporte-moi une assiette. Tout de suite, Missy. J'ai trop. Va avec Mini Mini. Tu viens cuire des crêpes avec moi? Samedi, c'est la cérémonie d'investiture du nouveau gouverneur à Paramaribo. Oui, et je pense qu'ils feront ça très bien. Ils peuvent se passer de nous. Oui, ils se passeront de moi, c'est sûr. Mais toi, tu devrais y aller. Tous les planteurs y vont, n'est-ce pas? Et le nouveau gouverneur est très influent. Cela pourrait être utile de faire bonne impression. Enfin, si tu veux toujours ce prêt. Oui, oui. Et puis, ce serait attrayant. Aller ensemble à Paramaribo? Aller danser dans les soirées? D'accord. Chargez ces caisses et celle-ci, mettez-la à l'avant. C'est de ça que tu dois les placer, c'est pas fragile, sois pas mouillé. Doucement, doucement. Dépêchez-vous, Masra doit partir. Chargez-la dans cette barque. Alex, c'est de ça de la part de la banque du prêt, Masra Rutger. Tiens, allez, on doit porter cela aussi. On attaque qu'à l'expertise. Vas-y. Et moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Masra Julius ! Missy Sarah, elle est dérangée. J'arrive. Félicitations. Tu l'as mérité. Il y en a plus beaucoup. Je ne peux pas vous laisser seuls, toi et Jethro, c'est trop dangereux. Mais Alex reste avec nous. Il y a un bataillon à moins de 2 heures d'ici. Les marrons ne viendront pas. De quoi souffres-tu? Je peux faire installer un lit sur le bateau et tu iras consulter un médecin à Paramaribo. Tu sais bien, indisposition féminine. Je suis désolée, j'irai mieux dans une semaine. Va t'occuper de tes affaires à Paramaribo, c'est très important. Prends soin de toi. Je peux faire quelque chose, Missy ? Tu écoutes Kwemba, d'accord ?
des marrons. Cachez-vous. Vite, vite. Cachez-vous. Il faut bloquer la porte. Venez. Venez, Missy. Dépêchez-vous. Vite. Dans l'armoire. Les Bacras. Les Bacras ne sont pas ici. Ils sont partis avec le bateau. Ils sont à Paramaribo. Ne me faites pas de mal. Mais vous voyez bien que le bateau n'est pas au bord du quai. Ils sont partis. C'est ma Missy qui a la clé de l'armoire. Mais je sais où sont les bouteilles d'alcool. Je peux vous montrer où elles sont rangées. Venez, venez avec moi, je vais vous montrer. Il y a aussi beaucoup de provisions. Venez voir, il y a de tout. Apporte-nous à boire et à manger. Non, dépêche-toi. Non. En bas. On veut manger ici, dans la chambre. Non, venez avec moi, vous serez mieux installé à la cuisine. C'est mieux. J'ai pas envie de descendre. Allez, dégage. D'accord. D'accord. Bon, je dois faire pipi. Mets dans ton pantalon. Ah. Ah, c'est confortable, pas mal. C'est blanc et c'est la coule douce. César, tu as trouvé la Missy Blanche? La vieille dit qu'elle est partie, qu'elle est allée à Paramaribo. Mais ce qui est bizarre, c'est que personne l'a vue monter dans le bateau. Cherche-la dans le quartier des esclaves. Au lavoir, partout. Cette Blanche est une pourriture. J'aimerais bien lui donner une bonne correction. On va la fouetter jusqu'à ce qu'elle crève, comme elle l'a fait pour grand-mère Ashana. Tout à coup, César, que j'avais connu sous le nom de Hendrik, était de retour dans ma vie. Pendant toutes ces années, je l'avais attendu. Il n'était jamais revenu. Il te plaît? Il adore. Ça, c'est une horloge. Parce que je compte les heures qui nous séparent. Et tu laisseras à combien d'autres femmes toutes tes belles paroles? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que j'ai tort? Écoute-moi. Je dois travailler encore 5 ans. Et quand j'aurai économisé assez d'argent, je pourrai enfin être affranchi. Ensuite, tu sais ce que je ferai? Je reviendrai ici pour libérer la plus belle fille du coin. Dans 5 ans, tu dis? Je ne serai peut-être plus là. Ma Missy va partir en Europe dès qu'elle sera mariée à Masranathan. Empêche-la de se marier. Mais comment? Il n'y a pas moyen de faire ça. T'as un objet qui lui appartient? Un mouchoir? Non. Une mèche de cheveux? Non, pas question, tu entends? Moi, je ne veux pas de mal à ma Missy. Bien sûr, tu prends bien soin d'elle. Mais qui va prendre soin de nous? Je ne sais pas, je ne suis qu'une esclave. Mais si ma Missy est heureuse, alors moi aussi je le suis. Ne me dis pas que tu parles sérieusement. Ta Missy s'en fout. Elle ne fait rien pour ton bonheur. Elle ne te voit même pas. Mais toi, tu me vois. Et tu veux que je sois heureuse. Mais César, le menuisier, l'homme qui transformait tout ce qu'il voyait en petits objets de bois, l'homme qui voulait racheter ma liberté, accomplit tout de même ce que je ne voulais pas qu'il fasse. Et ce geste changea le cours du destin. Bonjour, homme sage. Tu peux me dire où est ma tante Akuba? Akseri. Atikininak. Navit Foro. Sen
Les esprits invoqués par la tante de César sont plus puissants que n'importe quel Masra. Plus puissants et plus dangereux. Non, c'est tout pour moi, je t'en supplie, ne pars pas! Non, c'est tout pour moi! Personnellement, je n'arriverai pas à survivre dans ces bois, je vous l'avoue. César! C'est bien pour cela que c'est la meilleure stratégie. Les nègres s'arrangent beaucoup mieux entre eux. Et je suis persuadé que si nous en avons 1000 dans le peloton, nous pourrons sûrement en finir avec ces marrons. Masra m'a appelé. Comment te sens-tu chez moi, César? Bien, Masra, bien. Que préfères-tu? Être mon esclave? Ou être un nègre libre? Tu seras libre, César. Dans 2 ans. Jusque-là, tu as un nouveau Masra. Vous m'avez vendu? Tu repenseras à ce vieil homme qui a su être bon avec toi toutes ces années. Hé, tu es un soldat maintenant. Et voici ton uniforme. Tu ne dois jamais l'enlever. Le rouge te va bien, tu sais. Je vais devoir me battre contre les miens. Dans 2 ans, tu seras libre. Oui, mais à quel prix? Sans compter que je risque de me faire tuer avant. Hendrik, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux savoir ce qu'il a? Son Masra l'a vendu. Oh, mais... Il t'a rendu à qui? À l'armée. Ils veulent des nègres pour aller combattre d'autres nègres. Nous sommes 1 000 000. Les bonnets rouges. Une armée d'officiers blancs et de soldats noirs pour arrêter Bonnie. Tout le monde sait que les marrons sont brutaux et sanguinaires. Vous aurez des fusils. Contre quoi ton Masra t'a-t-il échangé? Contre beaucoup d'argent. Toi, ça ne risque pas de t'arriver. Mais pense surtout au bon côté. Tu seras libre après. Tu te rends compte? Ouais, si jamais je reviens, je vais tous les jours risquer ma peau dans les bois. Mais bien sûr que tu reviendras. Tu es fort, Hendrik. Bien plus fort que tous ces marrons qui font du tort aux plantations, qui sèment la terreur. Ils veulent venger les esclaves. Ils attaquent les plantations des Masra qui fouettent leurs esclaves. Ce n'est que justice. Non, c'est faux. C'est faux? C'est faux? Tu es de quel côté? Du côté de ton Masra ou de celui de tes frères? Tu vas me manquer. Oh non, tu empestes le parfum. Hendrik! Attends! César, le soldat, qui rêvait de devenir un homme libre, devint l'esclave des esprits qu'il avait invoqués. Et il disparut dans cette jungle qu'il redoutait tant. On maintient la cadence. Avancez. Le bâton qui frappe la poule blanche frappe aussi la poule noire. César, le menuisier qui devait un jour m'affranchir. Celui avec qui j'aurais dû partager ma vie dans une jolie maison à Paramaribo. Avec qui j'aurais dû avoir beaucoup d'enfants. Je pensais tous les jours à cet homme. Chaque jour, j'avais peur qu'il disparaisse à jamais. Ou d'apprendre qu'il était mort. Chaque jour, je m'accrochais à l'espoir de le revoir. Mais rien ne se passe jamais comme on l'imagine. C'est pas profond, on peut passer. Bataillon en avant! Suivez-moi! César! Pas devant. La poudre à canon ne doit pas être mouillée!
César, le menuisier qui pouvait sculpter dans le bois n'importe quel objet, se fit de nouveaux amis. Posez vos armes à terre! Posez vos armes à terre! Allez dire à votre gouverneur que nous nous battrons jusqu'à ce qu'on libère tous nos frères! Ne nous forcez pas à tirer! Lâchez vos armes! Repliez-vous. On va tirer! Allez, en arrière! Repliez-vous. Repliez-vous. Maintenant, nous en avons des vrais! Frères! Ah, César, tu es le meilleur tailleur de bois que je connaisse! Tu me reconnais? Donne-moi ton bonnet. Le rouge te va bien, tu sais. César, tu as trouvé la Messie Blanche? La vieille dit qu'elle est partie. Qu'elle est allée à Paramaribo. Mais ce qui est bizarre, c'est que personne ne l'a vu monter dans le bateau. Cherche-la dans le quartier des esclaves. Au lavoir, partout. Cette Blanche est une pourriture. Elle mérite une bonne correction. On va la fouetter. Jusqu'à ce qu'elle crève. Comme elle l'a fait pour grand-mère Ashana.
Non. Désolé, tu sais. Hé, toi ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Fais attention, grand-mère, je pourrais me fâcher. Ah ! Ah ! Des soldats ! Vite, des soldats ! Non ! La maison non, est en feu ! Non ! Tu dois sortir, viens, je te dis ! On est dans l'armoire ! La maison est en feu, Mini-Mini, viens avec je moi. Je ne sortirai pas mais avec je toi. Je t'ai libéré, tu es libre. Allez, allez, chaud. Sarah, c'est trop.